Moi, j'aime quand il y a parfois des fautes de français ou des mots qui arrivent un peu comme ça, de façon comme un petit grain de poivre, quoi. On se demande si on l'aime ou pas, ce mot-là. Ça peut être comme, par exemple, le cul dans ma chanson Le Reste. Ouais, mais j'aime bien l'idée d'une écriture imparfaite et qui dérange. Moi, je pense que si on ne ressent pas le besoin d'écrire, il ne faut pas écrire. Faut pas. Vraiment, il faut ressentir un besoin qui ressemble presque, je ne sais pas, c'est comme avoir faim. Quoi. Ouais, c'est un truc qui est c'est là, vital, quoi. Il faut y aller. Au début, moi, j'étais dans cette démarche de vouloir raconter uniquement de l'extraordinaire. Ouais. Et en fait, j'ai complètement oublié ce principe. Et notamment en lisant Annie Ernaux, je me disais, mais en fait, il y a quelque chose de très beau dans l'idée de raconter le quotidien. Mmh. Et à partir de là, quand on a cette richesse, je crois qu'on peut vraiment faire une chanson sur du papier toilette. Enfin, ne faites pas ça, mais... Non, mais c'est vrai. C'était le conseil de Clara Luciani. Merci, bonsoir.